Cette émission vous est proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères de La Réunion. Bienvenue sur Canal Austral et bienvenue aussi sur Piment TV. Et bien, comme tous les jeudis, maintenant, c'est un classique, tu connais, quand il arrive le jeudi, le matin, il prend mon auto, mais ça rôde des épices, ça rôde tomates, parce qu'il ne plante pas tomates là-haut chez moi, ça rôde un peu PSI, parce que la saison PSI est difficile, le thym aussi. Et tout ça pour aujourd'hui, fait un curry que tout le monde y aime. Pourquoi tout le monde y aime? Parce que la chasse est ouverte, hein, le LF vient de rouvrir la chasse là. Et donc, il y a un peu de monde parti, la Gaëtan, et aujourd'hui nous avons toute l'équipe des joyeux lurons, comme on les appelle là, avec Calix, avec Claude, Banaï Desson, et il vient faire un CV tang pour nous. Donc aujourd'hui dans l'émission de cuisine, ben ça va être CV tang, et ça va être le plaisir de toutes les créoles, et nous aura quelques surprises parce que nous aura des PSN va venir, et bonne boug. Quand on dit quelqu'un n'a tant pour manger là, ou dit pas des fois, hein, une seule fois il suffit, hein. Et de mon yam ça la Réunion, ça c'est le plat national, ça, ou régional, hein, de l'île de la Réunion. En tout cas, moi m'y monte tout de suite, les pieds de palétan comme d'habitude, et arrivé là, on va voir comment Banaï sa cuisine un bon civetang. J'espère que c'est un civetang, parce que vous pouvez pas c'est carré ou civet, parce que moi les rôtes de vin. Donc si ça rôte de vin, forcément, c'est un civet, hein. Donc ben nous regarde ça tout au long de l'émission, et puis on aura le occasion de commenter un petit peu le tang ici, le hérisson, pour bande de monde dans l'océan Indien, connaît pas encore c'est quoi le tang, hein, le hérisson. Bon, nous ça va tout de suite, hein. Allez, à tout de suite et nous retrouve là-haut. Allez. Vous avez fini d'arriver donc. Vous avez bonné, à moi là, au temps. L'essence, vous pouvez pas tirer de l'essence. Mais bagaille l'essence, mais qui ça l'est là? Jean-Claude Gigant avec son camarade musicien. Gino Box. Ben oui, nous connaissons Ali. Ben, alors Calix, vous avez dit que ça là? Ben oui. J'ai dit nous, deux, trois petits tangs. Des trois petits tangs? Ben, nous avons gagné des trois tangs, nous avons profité, nous avons fait cuire, longtemps, bonne camarade pour commencer. La chasse est ouverte là? Ah, ben, je ne connais pas parce que ça, c'est pas ce train. Hein. Normalement, la chasse doit être ouverte, mais ça, un train, maman, il avait déjà congé la terre. Depuis longtemps? Mais depuis l'autre chasse, toi, non? Dans l'autre chasse? Sûrement depuis l'autre chasse. Tu as congé la terre, toi, mon panne. Ah bon? Les camarades téléphonent à moi, demandent si je pouvais congé la terre des panalis. Je dis, allez, madame, tu ne me sers pas? Ah. Alors il est basé de mon combien fait. Il dit non, prends le cause de la terre, tape des trois tangs dedans. Ah bon? Mais là, Calix, officiellement, la chasse tang est ouverte. Oui. Un air vient de délivrer. PMI là? Oui. Hein? Oui. Et il paraît coûte 50 euros un PMI? Une affaire comme ça même. Ben, et après, quand on gagne un PMI là, on gagne un PMI rien que pour un carreau. C'est-à-dire un emplacement. Et l'emplacement là, il est délimité. Délimité, lui. Mais oui. Imagine, on a un chien. Les chiens qu'on a un tang. Le tang, il traverse la frontière, ça dans un autre carré. Comment on fait? Mais on bien on laisse y aller, là, pas la limite. Non, mais parce que quand un tang, il franchit la frontière là, c'est un problème ça. Parce que quand on a un homme politique, tu vois, quand il franchit la frontière, on a une valise, on appelle ça valise diplomatique. Diplomatique. Mais est-ce qu'un tang, il marche avec une valise diplomatique quand il traverse sa frontière? Ah, tang là, il traverse pas. Tu vois, il a le droit. L'île de son tête, il a le droit, il a le problème ça. Ouais, mais après les chiens. Après même bouc, là, il prend l'île de l'autre côté frontière là. Personne ne voit pas ça. Ben bon, alors. Ok, alors. Ben là, il connaît un peu tang alors? Ben là, il connaît bien des tangs parce que maman est dans moins de 3 millions. Il attrape ça avec les chiens? Ben apparemment. Mais généralement, tant que le chien même. Peut-être Gigant, il connaît un peu. Gigant, il connaît un petit peu. Jean-Claude. Jean-Claude Gigant, à où ça, hein?
Alors, comment trappe-t-on? Moi, je veux dire que. Je ne trappe pas la main, je dirais qu'on pense à nous mettre un gant. Hein. Mais là, je veux dire, moi, allons sur la crête. Là, je veux dire, je dirais qu'on arrive à la chasse, c'est sa passion, ça. Donc, et puis, ben, les, en contraire, il fait un petit coucou au passage. Il appelle Timari, Jean-Marie Lebon. Ah bon? Jean-Marie donc, Lebon, voilà. Hein. D'accord, alors. Et ben là, la chasse-t-on l'a ouvert là. Il y a gagné sous PMI? Si. Hein, c'est parce que comme il est là, il faut pas manger tant qu'il a pas un PMI. Hein. Ah non, exactement. Tant que il ne faut pas manger. Hein. Voilà. Ou même pas acheter. Hein, parce que sinon, ben tant là, il préservera plus un modèle. Non, ben là, il faut rendre les tangs en période de chasse maintenant. Ça, s'il rôde un peu à l'avance, les tangs sont pleins, n'est pas bon. Ah, mais pas bon à effet criminel, là. Exactement. Hein. Mais bon, donc il paraît où la même tang aussi. Ah oui, la même des petits poumons d'allant qu'à l'isphère. Prétend, il a un bon coup de main en cuisine, nous garde aller tout le temps quand on a l'eau là. Donc, c'est pour ça que j'ai fait le premier pas, me dit, mais ça va, mon d'allant, nous voir aller la télé. Là, il faut nous les ensemble, nous. Fais la connaissance, nous bains ensemble. Hein. Ben, les bons, alors, avec modération, tout le temps. Ah, voilà. Hein, vous connaissez, hein. Faut nous constater avec modération, c'est ben sûr. Ben, les bons, là, au centre Saint-Joseph, grand matin, 6h, arrivé ici. Ah, 8h30 comme ça. Voilà. Ah bon, alors. Regarde, pas trop embouteillage. Ah, hein, ouais, et après, l'essence aussi, là, ils consomment moins, ils ont à Jean. Exactement. L'essence est dans les rares, ça, tout à l'heure. L'essence est rare comme tout. Ah oui, et s'il continue comme ça. Hein. Ouais. Ben les bons, ben, écoute, pour ça, regarde, Calix met son tablier. Ah oui, non, regarde, tablier, met son tablier. Bon, parce que Calix a gagné un tablier, il a tablier Canal Austral, Piment TV. Hein, ça les prend. Ça les prend, les repas, c'est tout. Ah ouais. Canal Austral, Piment TV. Dernier coup banal, Xander Le Thomas, là, il va mener. Ah bon, là. Ben les bons, là. Donc, après, là, je vais passer un petit message à tes camarades Daniel. Allez, fais là, gars, camarade Daniel. Ouais, mon camarade. Gars Canal Austral, le Dieu m'a parti chez Jean-Claude Dain. Et il arrive là-bas, Jean-Claude, mais n'est pas que tout le monde, tout le monde, garde Canal Austral. Jean-Claude Digon, hein? Ben, Jean-Claude Digon, ben là, il pose même question. Comment on fait ça? Il dit, où est naturel devant caméra? Ben, il me dit, comment on veut? Il me dit, ma fille, boit mon dé, comment est plus naturel encore? Là, voilà, il est un grand matin. Là, ben, là, le comment on m'a boit de l'eau. Fais un petit coucou, Daniel, Daniel Lacrette. Ah bon? Hey. Daniel Patrick. Daniel Patrick. Ben, les bons alors. Les deux nouveaux oncles du gant. Les bons alors, ok. Alors. La famille aussi, hein, l'a bien accueilli à nous là-haut. Hein. Nous, on va te passer les bons. Ben. Écoute, bon, alors, hein, il paraît que Claude. Bonjour Claude. Bonjour Jean-Claude. Eh ben, nous sommes contents pour toi. Ben, moi donc. Ça faisait longtemps. Ah ouais, ouais. Et Claude, tu manges tant que toi? Oui, enfin, j'ai mangé du tang, ça fait presque 2 ans. Et j'ai en remangé ce midi avec plaisir. Ah, d'accord. Oui, oui. Alors, donc, comme d'habitude, tu vas donner un petit coup de main pour la cuisine, hein? Surtout pour les épices épluchées. Qui s'écrase les épices chez nous. Voilà. C'est toi, c'est, hein? Exactement. C'est préparé les épices, c'est oui, où, oui. Hein? Alors, moi, ben, là, pas, là, mais ça pas tant que c'était, qu'on lâchait les blancs, ça. Ça pas tant que ça. Donc, Claude, on a beau qui mange pas tant, il faut nous donner une affaire à manger, ça pas veille à nous manger. Parce qu'on a beau qui mange pas tant. À la locarie, là, hein. Ça, c'est le temps? Ben, ça, c'est le temps. Ah bon, attends. Allez, c'est joli vraiment ça. C'est joli ça. Un monsieur Box. Ah, les gars. Montez un coup là. Ah, vous partez à chasse aussi ou? Non, mamie, ça va pas moi. Ça va pas moi. Les camarades, ça va. Les camarades, ça va. Ouais, non. C'est joli là. Ah, les jolis. C'est ça, c'est. C'est un bon coup de main. Un bon coup de main. Eh, ben, n'est pas le tang là aussi, Timizo. Timizo. Ben, Timizo, car Timizo. Ben, Sanson, Milou. Ah, oui, Milou. Dis le rameau de son pied. Ah, ben, ouais, ben, il regarde un coup de son Timizo. Il est Timizo, vraiment, là, qu'est-ce que Timizo là? Timizo, comment il est? Hein? Timizo là. Ah, ouais, ouais. Eh, tang aussi, qu'il trappe, pas où, il trappe pour son maître, il mord bien, ça. Ah, ouais, ouais. Il mord bien, ça. Il mord bien, ça. Il mord bien, ça. Oh, t'as un petit coussin aux dents là? Ton dent, où il est là? Ah, ouais, son dent. On a le dent d'un petit coup de doigt. Ah oui, ça. Mais là, si tu attrapes avec ça, la main. Ben, le doigt, il décide. Ah bon? Eh, Jean-Claude, dites-moi comme ça, il trappe sec la main. Vous trappez sec la main ou? Ah si. Ah, c'est ça, oui. Dommage, mais ouais, imagine, il fait un petit trou de main, il trouve un nain, il trappe avec la main, c'est sûr. Pourquoi vous avez le chien? Ah, il veut dire que, ben, par contre, pour aller rôder, le chien est mieux. Parce que lui, il veut dire, bon, il trouve plus facile. Mais maintenant, aller rôder à la tâte comme ça, il n'est pas évident. Quand il dit qu'il trappe à la main, imagine, il sort sur la route, on y arrive, ça dans le bas de cadenas, il voit un temps, il passe, il trappe à lui. Hein. Même le gap, pareil, le gap ici, tient la main. Gap aussi? Ah oui. Ah ouais, donc ça fait pour le bas. Mais allez. Ah, mais Claude. Mais c'est quoi? Regarde, où est-ce que tu es? Regarde dans l'eau. Commence plus là. Ah, je commence plus là. Ah bon?
Donc, on a l'ail, on a zoignon. On a zoignon, tout à fait. On a un petit coup de main, j'avais. Un petit coup de main, alors. Ben, allez, bon, alors. Ben, écoute, les cas, nous fait vraiment plaisir. Et ici, ensemble, nous, Jean-Claude Wadin, Canal Austral, Niela, Richard, tout ça, ils donnent à tous les artistes locaux un bon coup de main. Ben, ça, on n'oubliera jamais. Ben, allez, bon, alors. Et nous dit, nous répète que Oula, Oula chante un morceau, là, bien marché. Ouais. Il appelle Taxi B. Taxi B avec Nev Solanga. Avec Nev Solanga, là-bas, directement à Diego, là-bas. Taxi B, c'est un cabaret, là-bas. À Diego. Diego, hein. Ouais. Et comment il refait un comme ce morceau-là? Dis-nous un petit coup gaffreux dans un petit coup ça. Si, oui, la chanson. Allez, écoute un comme, coup. Comme il marche dans le chemin de Diego, comme il chante cabaret au taxi B, mi voix moune noir, mi voix moune blanc. Il chante, il danse, les libres comme le vent. Bonne vieux grand moune avec bonne zen mamaï. Il vient ici pour passer un beau moment, boire un bon coup. Manger carré. Ah, manger beau carré, là, je n'aurai pas besoin. Le taxi B n'a pas pu manger un beau carré tong, hein. Ah non, on a un petit carré tong. On a un petit carré tong, alors. Ah, mais bon, alors, ok, ben écoute, nous continuons la cuisine, alors. C'est bon. Nicolas, c'est où qui coupe le. À moi le boucher, là. À vous boucher. À moi le boucher. Hein. Tu arranges, aïe. Le bon petit tong à l'air ressemble un petit peu aussi à la porc, dis non. Ben cochon, pareil. Ben il dit petit cochon. Il dit petit cochon. Ben quand tant mais joli, il dit petit cochon. Ouais. Et le sable, il coupe bien ça, vous l'avez repassé. Ça te sable ça ou bien Calix ça. Là, il coupe pas encore, il y a ça, même ça. Mais va de ça, alors. Ben. Ouais. Un petit problème, mieux. Ouais. Comme ça, il est bon. Il a une belle couleur, hein. C'est joli, joli. C'est joli. Et hein. Rose comme du bonhomme. Ah, moi, les pètes, rose comme l'hiver, il mange pas. Ah, t'es gentil. Mal pour une culture de. Ou pas des bonnes affaires, là. Il faut une culture de temps, il faut le voir grandir dedans. Faut jamais grandir dedans, hein. Pas obligé, pas obligé. Comme tes petits mots, ça la chasse tout. Ou tu pourrais être un grand chasseur tant. Toujours un grand chasseur. Il n'y a pas ça, tu peux le relais, son garçon. Il était bien que nous, lui, avant. Ben. Tiens, son miso. Ah, le museau, il mange pas ça, alors. Nanaïman, il mange pas. Et la tête, il mange par contre. La tête, il mange. Ouais. La tête, n'a la viande dessus. Ah, ouais. Là, combien de temps on avait, là, aujourd'hui, là? Tu es là. Moins 15 ans. Moins 15 ans, là? 15 ou 20. Ah, pas compté. Ah, ouais. Apparemment. Eh, mais là, miwaza, là, roule tant que tu pars le ventre, là. Hein? Mais normalement, tu pas, il roule tant que par le dos. Pareil, là, en gousse. Il roule tant que par le dos. Ouais. Pas de bande, attends. Comme ça, il plie là, il fait plus gros. Ah, quand il roule par le dos, il est plus gros, là. Ben. Ça y est, vous dites comme ça qu'il vend, il est plus grand. Parce que le tang, là, il vend à l'unité, lui, non? Ben, il pèse il pas la grosseur, non. Hein. En moyenne, un tang coûte combien à peu près? 10 euros, 15 euros. 10 euros, 15 euros un tang, alors. 15 euros, ben, quand il est gros. Quand on vend 10 ou 15 euros comme ça, il a à peu près combien? 300 grammes, 400 grammes? À peu près ça. À peu près 300 grammes, il a. Ben. Hein? Ben. Ben, les bords, ben, nous, là, ça va, là. Ok, merci. Nous, là, ça va continuer de battre la ligne. Comme ça, il dit battant. Battant, yas. Yas tang. Les bons, là. Batzaz. Hello, Jean-Claude. Alors, c'est toi qui prépares les épices? Oui, enfin, je coupe les oignons pour l'instant. Oui. Alors là-dedans, il y a quoi? Il y a des oignons traditionnels, ça, hein? Ça, c'est traditionnel. L'oignon, l'ail. L'oignon, l'ail. Le gingembre. Le gingembre. Et puis, ben, ma foi, je pense que c'est tout. On va écraser les tomates aussi après. Écraser, les couper, les émincer. Les couper, les émincer. Hein, oui. Les oreilles comme ça, ils comprennent. Et j'arrive même pas quoi, à parler créole, tu vois. Bon, et tu dis coupe-tomates. Coupe-tomates. Je vais couper les tomates. Hein, et là, les oignons, on fait quoi avec? On les coupe ou on les émince aussi? Je les émince, là. Alors, et tu coupes la main comme ça, tu coupes pas sur un guillot, toi? Pour la main comme ça, ça se fait bien. Ouais. Okay. Alors, Kaïx, dis-nous un petit peu là, hein, qu'est-ce que c'est les langues là? Là, aujourd'hui, nous, ça fait coq au vermouth. Ah, un coq au vermouth? Coq au vermouth. Donc, dans le coq au vermouth, ça serait le couffer ou là, non? Hein, il m'a servi, mais après, il rougit ali dans l'huile. Ouais. Et, mais il met un peu vermouth, au moins toute la viande, il prend un petit peu le goût vermouth là. Et vermouth, c'est quoi là? Ben ça, vermouth, c'est un alcool, et ça vermouth d'oreille. Ah bon, là, c'est la vermouth créole aussi. Vermouth créole et... vermouth d'oreille. Non, ça vermouth d'oreille, vermouth blanc. L'autre, les roses, vermouth pays. Ah, il n'y a pas du vermouth noir. Ah ben, et on va pas, ça nous allume. Non, la vermouth malbar, après. Parce que si la vermouth noire, c'est peut-être malbar. Ouais, vermouth caf, hein. Vermouth tes oreilles. Prat, nous allume prat. Oui. Bon, mais faut pas trop dans la marque, hein, la télé. Oui, là, c'est un alcool pour la cuisine. Pour la cuisine, pas pour boire, ben. Voilà, hein. Et puis, comme on dit, l'alcool, toujours, c'est à boire avec modération. Voilà. Donc là, je m'asseye un petit peu, après je s'attaque le poulet, après nous fait le tang en deuxième. C'est bon, hein? Ouais. Donc le poulet, le coq là, c'est juste bande de mouni. Ça qui aime pas tang. Là,
ou la prend le marmite, ou la met à l'idon, enfin, ou la prend le marmite. Là où la prend le coq, où la mettez un marmite, où la mettez un peu de thym dedans, où la verse un peu vermouth. De vermouth dessus, là où ben, Massi Ali, hein. La mienne, ça y est, fait tout ce vermouth là, tout le monde mange sur la viande là. Ouais. Après, comme il rougit, allez, le dé, il monte, lui. Ouais, ouais. Ben. Et là-dedans, pour mettre sel, poivre, il y a encore là. Ça, tout ça, m'y rajouté dans le marmite, au fur et à mesure, sur le feu. L'oublier macérer seulement avec le vermouth. Le vermouth, ben. Ah ouais, pas plus que ça, hein. Si vous mettez de sel, il n'est pas bon, le goût. Si, le sel, si, on peut mettre là. Mais après mon dosage de sel là, pour faire mettre le sel, comment, quand il commence à cuire là, ouais, là, ouais. Avec du sel dedans. Ah, ah. Il est bon là, Dalix. Hey, Calix, oui. Là, la pluie là, comment elle commence à tomber. Okay. Il paraît que quand la pluie tombe, tant il sort, les vrais ça. Oui, ah, oui. Hein, il y en a ben. Qui commence à côté de nous là, devant la ligne. Ah, hein. Comme ça même, ah oui, quand ah, la pluie tombe, ça, le temps il sort mieux. Hein. Ah, sort. C'est sûr. Ah, ah. Oui, ça et pour ça, il sort, quand il sort comme ça, tu sais, ça rôde, il sort de manger. Ben, sûrement, mais il veut dire qu'on a des fois dans le cas, il peut trouver un champ de banane, il peut avoir une régime banane, les mûres et tout. Donc, pendant bon, le temps, il mange le couillou, ah, si, ah, oui. Ah, si, ah, oui. Et l'île est insectivore aussi, il mange des insectes aussi. Ah, il mange des escargots. C'est bizarre parce que nous en métropole, les hérissons. Les hérissons, ils sont dans les jardins pour manger les limaces, les escargots et les vers de terre. Quoi. Ouais. Moi, chez nous, il dirait qu'on a un charme trop vu. Non. Non, mais en fait, il connaît la stratégie là. Il dit pas ça à trop de monde parce que sinon, de monde va dire, mange pas. Putain, on mange pas. Mais dis encore, Jean-Claude, parce que, en fait, plus on va dire là, moins de monde va manger tang et plus on aura plus autre. Ouais. Bon, Galix, tu continues au coq. Ouais, non, voyez bon, là. Mais bon, là. Il m'a servi en combien de temps il y a 10-15 minutes. Et ben, le temps, les autres épices, c'est pareil. Les bons, lui, après. Galix, c'est quelqu'un, les bons dans le domaine, ça. Pour la cuisine, un bon danseur de ces gars ici, il faut pas oublier. Hein. Et un bon danseur de ces gars-là. Ah, oui. Bon, hein. Nous n'avons pas le lait, les oignons, par exemple. Ah, vous n'avez pas le lait, les oignons aussi. Le demi chez Jean-Claude. Les bons, alors. Ok. Ah, la féerie, je mange du plomb, hein. Hein, Nicolas, on pèse l'oiseau. Non, mais on pèse pas l'oiseau. Ben, longtemps, c'est comme ça, il pèse l'oiseau. Pèse l'oiseau. Hein. Mettre la colle. Hein, ça, c'est un petit serin, ça, nous vient voir là. Un petit serin, ben. Un petit serin. Comment on attrape ça où? Ah, ça m'a acheté. Vous l'achetez? Ben. Parce qu'il vend un bon serin. Serin, il vend. Un bon serin, mais de la Réunion, même ça, bien, les oiseaux en dehors, ça. En dehors? Ah, non, on en a un pays, on en a Maurice, hein. Après, on a Mozambique. Ouais. Là, on fait partout. Et là, le petit cage, l'île est dedans, là, c'est un piège, ça. C'est un piège. Ah bon, donc là, il siffle, après il appelle d'autres. Il appelle son camarade. D'autres camarades, et puis le bon camarade, il vient, il s'est rendu dedans. C'est à vos autres. Ah bon, alors. Pour les prisonniers. Mais le pain interdit ça, mettre la colle, mettre piège pour les oiseaux, ça. Ah, de quoi, il y a un beau pays à faire interdit. Mais il n'y a pas une voix encore, une sortie, non. Bon, non. Il n'y a pas aussi pour les oiseaux, c'était alors. Ah oui. Donc il ne faut pas attraper les oiseaux, alors. Il ne faut pas attraper. Les bonnes espèces protégées, il ne faut pas attraper. Et le serin fait partie des espèces protégées, lui. Ah oui. La pire. Bon, mais on ne trappe pas bon, on peut le trapper même. Ah, ben, tiens, vous voyez, compagnie. Et bon, moi, bonheur, on n'a pas trop le bout de cou. Bon, alors. Calix, vous partez de quoi, alors? Eh, partez avec vous dans le jardin. Ouais. Bah, tu fais un petit bazar. Ah bon? On a fait un hommes. Ouais. Tu fais des oignons verts. Ouais. Après, nous gagnons des marcoques, là, toujours. Mais bon, là, ok. Eh, un hommes bien. Ah, ça, je dis un hommes, là. Un hommes, là, quoi? Vous la plante ça, la main, elle est bonne. Daniel, la plante ça. Ah, mais quoi, au moins? Ah, les bons liens. Crasse de l'ail, hein. Vous crasse de l'ail, hein? Ah oui. Mais là-dedans, rien que l'ail, là, alors. Rien que de l'ail, le reste, il vient, j'en ai fait un petit mélange. Ah, donc le mélange, il fait après. Voilà, exactement. Tu le mélange. Non, pas. Hein, mais rappelle, pour m'en y manger chez Moussa Joseph, là-bas, la fait un civet canard. Ouais. Je rappelle, il y a quelques années de ça, moi, 3 ou 4 ans. Hein, je dirais, 2 ans et demi. 2 ans et demi, alors. Ouais, 2 ans et demi. Ah bon. Hein, et vous faites toujours bien la cuisine là-haut, là? Si, ah ben, mais compte bien, c'est quand t'invites à vous pouvoir manger un bon civet de lapin. Parce que vous mangez de lapin du moins, mais. Ça sera pas au chocolat, mais viens. Hein, hein. Ça sera pas au chocolat, d'ailleurs. Pas au chocolat, pas trop, mais là, un civet, bon. En civet. Je pense, il veut dire que ça de là comme il fait là-bas, imaginez dans le quartier, les gens quand ils goûtent, à chaque fois dans la fin, ils peuvent faire un rodement. Ah bon? Non seulement le chantier, mais le cuisinier. Ah, Miam bien fait la cuisine, si. Ah oui, Miam bien fait que manger au boîtier. Impeccable. Super ça.
Après, nous avons fait des pistes tout de suite derrière. On attaque le poulet là, là. On attaque le poulet là. C'est bon, et là, on met un gros marmite sur le feu. Oui, je la sais chauffer, mettre de l'huile, saisir un coup de volaille là. Là, le volaille, il finit d'être masteré. Il finit d'être un petit jet, tiens sur le dé, ben. Et noali prat. Ah bon, ouais. Ça c'est la marque ça. La marque, ben fais pas publicité. Non, fais pas. Dis vermouth. Vermouth. Ben, bon, du vermouth ça. Bon, c'est bon. Hein, ils en profitent le jour où ils mangent pas le midi pour ça. Mettez ça, qu'est-ce qu'on mange. Claude, ben, inquiète pas, on aura un petit repas soir. On apprécie hier soir tout seul. On imagine la journée, on dit comment le passer. On la trouve au ami Jean-Claude Gigol arrivé. Et vieux clop-clop. Et là, on connaît Box. Puis Nicolas, on connaît ça, la famille, ça. Ben ouais, voilà. Hein? Tout à l'heure, on aura d'autres monde. Ben, tout à l'heure, on aura des invités, ils arrivent là. Mais bon, alors. Ben. Voilà, il faut laver le temps pour couper. Ben, il y a un peu. Ben, il y a un peu. Ben, dernier bain. Ah, ton dernier bain. Ben, comme ça. Et là, tout ça poussière un petit peu bon, le jus de sang de tout le jus de sang. Un petit peu de bavure, tout ça. Ça, il est bien représentable. Ouais, ouais. Monsieur Tang, ça. Monsieur Tang. Monsieur Tang. Là, nous mettons un petit peu d'huile dedans. Ok. Je vais faire flotter le poulet là. Mais bon. Bah. Mais un téléphone, il sonne avec de la musique sur le téléphone là. Mais ça sentait ça, donc là, du gant, ça. Taxibé, taxibé. Allez, Knev. Coucou, Knev. Bon, ça là, mon volaille dedans, moi là. La mise saisie hier, un coup. Ouais. Hein? Alors, on y a un petit peu. Ben. Ravine Sarah, c'est Ravine Sarah, oui, Ravine Sarah, moi, quand mais c'est 4 épices, non? Oui, disons 4 épices même. 4 épices. Ben, hein? Il tombe 4 épices, il a la réunion. Et vous mettez un feuille seulement dedans ou ça? Un feuille, après, vous mettez un feuille là avec ça. Pour le temps, on va mettre plus. Ah, les bons, alors. Okay. Des petits assis pour donner le bras. Parce que Nebel Moun, il aime pas, Nebel, il aime, ben, c'est selon. Pareil, quand on milie ça. Voilà, ben. Il a dit mettre l'amour dans le cœur. Ah, ben. Tu fais quoi là? Là, il arrête le feu. Ouais, dimanche, c'est la brûle à moelle, le chalumeau. Ah. Tout est brûle à moelle, il arrête le feu autour. Ah. Ben, il m'a pas eu mal du tout. Et là, la peau va sortir bientôt. Ah. Et il est donc. Là, on a un petit coup de charbon sous le bras. Là, on a un petit coup de jus d'huile. Ouais. Jus d'huile là. Ah. Donc, il arrête ça au moins, il me sent plus de douleur, moi après. Ah bon? Ben, dans l'heure qui suit. Ah bon? Explique-moi un petit coup. Ben, à part si. C'est inexplicable. Je ne peux pas t'expliquer, non, c'est cette habitude-là, puis c'est tout. Quoi. Ce n'est pas un don, ni c'est rien du tout, c'est... Voilà. Et il y a une prière à dire en même temps, ou bien rien du tout? Voilà, c'est une vieille dame, une amie qui m'a donné cette formule-là, et puis voilà. Et ça marche. Et ça marche. Et ça marche. Bon. Normalement, je vais plus dans le sud parce qu'à chaque fois, je me fais brûler avec le feu. Tu le téléphone, j'arrive. Alors, il faut faire si tout de suite ou bien il y a un délai d'attente? Oh, il faut le faire le plus vite possible. Le plus vite possible. Ben, comme ça, les gens souffrent moins aussi, hein, c'est ouais, ça. Ouais. Ah, d'accord, alors, ok. Après, maintenant, si tu te fais brûler avec le feu de bois, après, il y a des gens aussi qui s'appellent le barreur de feu. Ah ouais? Ouais. Au moment, il fait une prière dessus. Et ah bon, plus la... comme ça d'affaire là, alors? Voilà, la brûlure. Ah, bon. Moi, okay. Je connais quelqu'un dans le sud qui fait ça? Qui fait ça, voilà. Ah, mais nous, on n'a pas besoin d'aller dans le sud, parce qu'on a Claude avec nous maintenant. On ne savait pas ça, toi, de toi, Claude? Oh, ben écoute, je vais pas en faire de la publicité, parce que c'est vraiment pas grand-chose. Hein. Bon. Tout ce mettre en compte là. C'est un petit peu girofle. Un petit peu girofle en dedans, là? Tu peux poivre, girofle. Ouais, ça filme tard. Daniel, il regarde d'où là, parce que Adikali, c'est un beau calmement, il ne speed pas rien. Hein. Dallon, il n'y a pas si Ali là-bas, c'est ta famille, ah oui. Ah bon? C'est un cuisinier, ah oui. Ah, ben Ali, il ne speed pas. Ah, là, elle a fini d'arriver 10h30, là, on a 15 moules, vient manger midi. Et l'encore comme ça, le temps même trop fait cuire. Là, les bons, là, le dedans, le temps, nous, là, normalement. Oui, t'inquiète pas. Là, bon, là. Là, d'autres manger, là. Là, les bons. Ah, ben, Calix, c'est bon. Ça, bon travail, hein. Ah, oui, gâteau. On met à boucher Joseph pour travailler, là. Ah, non, mais là, il faudra que tu viennes.
Bon, ça se fait avec l'entremise, même il a un. Ben, là, il laisse de l'eau la sec, il rougit un peu plus. Ouais. Après, il met des oignons, l'ail, des gommes. Ouais. Un petit tomate. Allez, là, avec les épices, il commence à rougir. Il sent la couleur, là. Ouais, là, on met du oignon. Des oignons, un petit peu de l'ail. Un peu l'ail, un petit peu de gingembre. Mamie, t'es bien poli, moi. T'es bien poli, là. Bah, mamie, t'es bien poli, moi. Maman, des hommes. Ben là, disons, on fait ça comme si quand il fait. Oui. C'est mal, bah, il travaille. Là, la couleur, voilà, il a fait changer aussi, là. Là, il a rougi le dessus, tu vois. Ah, ouais. Là, là, un petit givet à moudre dedans. Montage. La viande est rose, là. Ah, la viande est rose, là. Il commence à prendre la couleur vermoute. Là, il commence à être bon. La mienne a un petit jus vermouth pour les épices. Après, si le sel est bon, un instant, il a deux petits bouts de tomates seulement. Mais pas bon petit tomate là-dedans. Mais pas bon petit tomate là-dedans. Là, il est parti. Il vermouth, ça l'attaque. Vermouth, ça l'a un petit peu dedans. Tu vas mettre ton vermouth. Ça pour les épices. Voilà. Voilà. Donc, c'est quoi ça? C'est un coq au vermouth? Coq au vermouth. Coq au vermouth, alors. Hein? Ouais. Et bon. La manche m'a taillé, toi la manche, là ne mette pas aussi. Ça même le 380. Ça 380 ça alors 380. Pareil le Airbus. Airbus. Donc Alex, où tu vas mettre les chauds là hein? Là moi, à mettre les chauds, mais ça saisit tant. Là, ça saisit à là. Ben, mais saisit à l'île. Saisit pas les chauds hein. Ah, là, ça saisit à l'île là. Oui, là. Ah, j'ai bien. Ben, tant que j'aime boire l'alcool, ça d'aille de la mousse pour boire. Là, il y a mousse. Là, on peut mettre rien dedans, là. Là, rien. Rien, rien. Mais là, quand il fait douleur comme ça, il y a. Ah, ben là, ma mousse, là, elle est bon aussi, là. Là, elle est chaud. Ah, c'est 380, quoi. 380. Eh, je serais comme passé ici, là. Ah, je sais, j'en ai un, c'est bien, là. Du Malba, il connaît la ligne de fée. Ah, là, voilà. Ah, là, on dit, il me l'a. Tu vois la preuve vraiment, là. Ça a bien là. Ça a bien là. Ça a bien là. Ça là. Là, on met trois feuilles dedans. Hein. Trois feuilles. Ah ouais. Là, t'as bien revu là. Hein? Là, mais là, c'est frit, t'as bien fait là. C'est frit, t'as eu trop, t'as eu un petit peu là. Après, à la fin, tu mets assez trop, t'as eu. Ah bon. Là, on mange. Faut mettre ça sur le bien des bêtes là. Ouais. Ben, à la mise à le rhum pour boire là. 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 Après, nous faisons un yoga. Et le vermouth et le vin, les compatibles. Les compatibles est très bon. Le vermouth là. La diamante, tout gibier, il faut mettre un vermouth sur le trou. Ouais. Les tomates. Ça, c'est feuille tomate. Ouais. Hey, qui ça l'invente d'histoire, il faut mettre feuille tomate dans le carton là. Ça, mon maman, t'as fait mettre qu'il y a tomate. Qu'il y a tomate là, il faut qu'il y ait avec. Quand on mange, après, il est comme du oignon là. Il est ah bon? Comme PSI. Ben. Tout le monde met le feuille, le pied. Hein. Le pied à ce moment. Pas hein. Des petits feuilles. Le feuille n'est pas là. On fait mettre pas. Allez. Mettre bon petit pied là. C'est moi pas tout le monde y met un. Moi, il m'a toujours fait comme ça. Ça ah, est bon. C'est bien. Non, il y a beaucoup qui viennent. La case arrive de l'eau. De l'eau pour le coq. Là, on change de l'eau dans le coq, hein? Coq, ben. La micro-ondes. Voilà.
On met toutes les bandes de pieds dedans, les oignons tout de suite. Les oignons tout de suite. Les hommes après. Le reste après. La côte de Claude. Ouais. Gigant. Oui. Jean-Claude Gigant. Et là, on a beaucoup de Jean-Claude. Ben. Grâce des poivres. Roche pour moi, s'il te plaît. Là. Et. On débouche un petit peu de taille. Le matelas pour éviter d'aller. On va aller au fond. Il y a autre ailleurs qu'un gros sel ou hein? Il y a un gros sel. Gros sel de mer. Pour 5. Quel est le temps de faire pour combien de sel? Trois gros cuillères à soupe. Trois bons cuillères à soupe? Ben, avec ça là, c'est. Ah ouais. Mettre pas trop de boulot malade avec comme ça. Avec des sels. Attention. Ben. Après, on va mettre l'ail. Après, il reste un petit peu quoi, on donne. Là, j'ai un homme. L'ail. L'ail. Et j'ai un homme. Et j'ai un homme. Ça nous laisse pour Ougal. On a sorti, Simon. À nous et bon, nous là. Puis, il m'a fait boire le rhum. Depuis longtemps, il n'a pas boire le rhum. Là, il va boire. Ah. L'aile de vin, la tomate. Ben. 2 litres de vin pour 15 ans. Hein? Des bouteilles, 75 centilitres. Ouais. Là, nous laisse, il prend ça, nous mettre de l'œuf cuit. À la fin, nous allons mettre le bico. Ouais. Et normalement, au moment comme ça, il faut utiliser un vin royal, le vin royal. Royal, même le meilleur. Mais là, comme on dit, il pourrait la prendre des bonnes bouteilles. Ben, il fait mal un peu mon cœur, mais. Non, mais les baisers, si. Les baisers. Nous avons encore des mauvaises bouteilles. Bonne boucle, comme là, où les baisers avec. Vin royal, mettre jamais en stock de car, il y a de bon vin qualité. Qu'est-ce que vous voulez faire? Mettre ça que nana. Mettre ça que nana. Ouais, fait mal un peu mon cœur, parce que là, on est 40. Mais c'est pas grave, hein. Le Tonglais, c'est jamais plus de verre, ça vient. Ah, mais là, il boit dernière fois. Il boit dernière fois. Bon. On dit, arrête avec ça, allez. Désolé, mon gars. La main a tout mangé, tout ça. Ah. Là, vous mettez 1 litre, là, vous mettez l'autre après. Une bouteille, à la fin. Une bouteille, pardon, mais vous mettez l'autre à la fin. À la fin. Bah, le coq est fini, alors. C'est bon. Un petit peu, pas trop pour panner un peu les gifs. Amène un petit peu. Et assis. Ben voilà, le carré est bon. Nénard fait une goûter? Hein? Nénard nous a fait une goûter? Ben c'est Claude le goûter avec Claude, le collage, demain il est bon. Ben demain le goût est bon. La cuisson est manque un petit peu. Dessus. Ben. Et elle est bon là. La gélatine il vient après. Ben en plus c'est midi moins 5 et le coq a fini. Le coq est bon. Massalé, créole. Là, on voit le carré, là. Là, on met un petit peu de vin fait côté. Et on connaît l'affaire aux accueils de main. On voit quand il monte tant de couleurs comme ça. Trois oeufs, il passe en main, il passe dans son tête seulement. Il passe dans la tête? Oui, non, il passe dans la tête de madame. Hein, c'est madame, non, il dort à côté, il dort dans le canapé. Il dort non, mais il sent tellement bon, il n'a pas envie de laver. Pas envie de la main? Si, pareil, il m'a salé, pareil. Mais quand il n'est pas bon aussi, vous lave tout de suite. Hein. Ah bon? Bon, là, mais là, un petit goutte de vin, c'est pour tailler. Allez, viens mettre coq dans le parcours. Mais bon, mettre coq dans le parcours. Mais bon, le temps, ça mettait dans la forêt, là, l'instant. Il y a là, des gars, forêt, là. Ah, waouh, salut, ça va. Ah, là, là.
Allez, où allez bien là. Au toucher, vous voyez, dans son. Au toucher, les bons. Ah oui. Bon, Jean-Claude, Nico va aller, laisse à côté. Bon. Quand les parents mettent à terre, mettent du oignon avec persil, il y a pas là. Mais bon, alors. C'est bon. Mais bon. Vous pouvez nous donner son val pour manger, c'est pas bon. C'est pas bon. Regardez, ouais. Garde Z27 là, regarde là. Z27, tout le monde entend nous. Allez. Ils répondent pas moi, ils ont dit. Ben, peut-être qu'ils n'aiment pas ça. Ils n'aiment pas ça. Le bien est bon ? Non, mais le bien est bon. Tigre est bon. Voilà. Tigre, la cuisson est bon. Ouais. Bon, là, nous sommes mettés à terre, regarde là. La pile, rien là. Hein. Ah ouais, bon, cuir, hein. Ah, là, les cuirs, on va pas comment les frites là. Les parents en soupe, hein. Ah, non. La soupe continue à faire cuire, il fait t'encraser. Ah ouais. Ben, la mettre un petit peu de gélatine dessus. Ah ouais. Donc, on fait un peu de gélatine comme elle a. Ben, elle même de gélatine. Depuis la sortie de ça, la BNA, on rappelle là. Hein? Depuis la sortie de ça. Ben, d'ailleurs, on va te s'acheter, hein. Ouais. Mais ça, scientifique, bonne scientifique, qui sort de bonnes affaires comme ça. Fait 6 oignons verts, hein. Là, voilà, nous, bon, nous mettons à terre. Là, ils mettent à terre. Nous mettons à terre. Ah, les jolis. Ben. Et ça, tu manges pas ça, qu'est-ce que c'est fait? Tu es allé à l'hôpital, non? Non, c'est... C'est un monument pas là. Ouais, c'est un monument pas tant là. À moi, mais ouais, il est bon, ma goûte est bon. Mais qu'il y a 27 dans le fond, ça, c'est 27, il est. Mais 27, la partie de son box, là. Mais c'était ma amie là pour 27 dans le fond, moi. Mais bon, alors. Là, l'air pour moi manger avec d'autres. Là, canal austral même, mais sûrement plus besoin de mettre ça. Après, Malba, il est de fait, mais il est de fait après. Donc, ça, t'es de fait, l'instant, non? C'est moi là. Mais qui ça là pour nous faire cariton? Cariton là, si vous voulez, mon moment est fait. Mais tu fais caricole, toujours aller. Toujours. À moi, je vais apprendre à faire un petit peu la cuisine partout. Mais garde, le monde fait, ouais. C'est comme ça qu'on apprend. Mais après, le cari tant que je vais, on fait mes yeux. On fait mes yeux là. Et le cari là, si on l'a fait cuire bien, il est bien cuit, il a les épices. Ou la croûtaille, tant que là, tout le monde y mange ça. Mais quel est le meilleur, c'est le moment ou la voix? Non, c'est le moment. C'est le moment le meilleur. Les miennes me goûtent les bons, mais c'est le moment même le meilleur. Ah oui. Ça la pointe de. Mais non, à vous qui ça la pointe, où fait cuire tant? Ah ben, voilà, apprendre personnellement, comme tu vois. Mon fait. Ah ouais. Mais après, il m'a improvisé un peu. Dans le temps avant, ben là, t'es fait. Mais t'es bon, hein, t'es bien bon. Mais comme là, on a tellement d'affaires pour faire cuire lui. Donc la technique est plus facile maintenant. Hein. Ah bon. La plus difficile comme là ou pas? Pas plus difficile, c'est la technique fait cuire lui. Parce que si l'a mal commencé, il termine mal. Ah bon? Ben, on ne garde pas manger. Faut commencer bien, il termine bien. Bon, regarde hein. Comme Calix a fait, peut-être pas fini, mais c'est tellement il a commencé bien, mais il a fini bien. Calix a fini l'étagne de pire alors? Là, il essaie comme ça. Hein. Là, si on a besoin de faire une affaire, griller papaye ou bien griller fouille à pain. Je l'ai, mais tiens. Fouille à pain griller, bon ça? Moi, tu cuillais avec le bébé après. Mais là, t'as nous invité alors? Les Denis sont arrivés à l'instant? À l'heure d'arriver. Mais c'est quoi ça? Quand il commence donc, ça en a eu beaucoup? Non, le problème là, je mette. Non, là c'est bonne boucle, donne la main, elle fait cuire, l'autre il coupe une affaire. Ah, même ouais. Comment on va tenir là-haut? Non, le piment TV là, c'est une idée forte. Une idée forte. Les poids la gueule. Mais il faut aller poire la gueule pour voir que ça n'en a là-dedans. Autour, pas depuis il arrive la réunion, depuis ça, il était fait un bon peu créole, il commence à prendre beaucoup d'affaires. Ben, t'as l'air là où l'a dit, où l'a sorti une expression, dans l'océan Indien, il apprend notre culture culinaire, mais à nous aussi, par exemple, moi, m'y vois sur Maurice, sur Madagascar, et m'y apprend pas mal de choses dans la cuisine. Aujourd'hui, m'y gagne faire un romazav comme un malgas. M'a plus besoin de payer un malgas, faire un romazav pour moi, monsieur, mon romazav, tout ça. J'ai dit, si vous voulez apprendre le malgas, ou malgas, apprendre. Voilà. C'est un échange, alors. Un échange. Ah, ben, elle est super, ça. Ah ben voilà. Mais le canal austral qui m'ont TV. Oui, mais ça, c'est le monsieur grâce. Filme ça là, ça vous gagne bon ça. Mais Jean-Claude avec Niela là. Elle a combien de mains de nos autres là pour vous dire ça là? Mais faut. Non, la vérité.
L'histoire, c'est que Jean-Claude avait venu là, j'ai fait une émission pour la Réunion, pour l'océan Indien. En ce moment, super. De mon en métropole, mon bon ami appelle à moi, Calis, ma vie a aussi l'écran. Il me dit, quel écran? Canal Austral. Ben, puis mon TV. Ben, après, il m'a donné à toutes les informations. Je regarde toutes. Des fois, dans la journée, mon au moins 10 textos. Ah, c'est bien, on aime bien. Ben, il me dit, quand on est la Réunion, maintenant, on casse Jean-Claude. La commande commence tiens le type de commande. Vas-y, ici mettre feuille banane dans la vanne. Comme ça, les bons. Tradition longtemps même. Hein. Comme ça, il fait un buffet parce que sinon, c'est difficile de tenir feuille banane. Ah oui, non. Ouais, oui. Pas génial. Oui. Comme ça, regarde, tu vas ouais, mais regarde. Ah bon, ben bon alors. Allez. Claude vient aussi, viens, 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 faire tirer les veaux pour fumer, mais nous voulons voir au moins une discussion. Ah, mais monte pas moi. Ben, si c'est le matin, je casse de soir, moi, de soir. Faudra nous inviter dans le sud prochain coup. Mais attends, attends, pas que les bons, pas de problème. C'est bon, mon frère. C'est bon, là, ok. Merci là, on a quoi? On a un petit rougail qui est là? Ah oui, là, on goûte un petit peu tout. On a un petit peu tout. Un petit peu poulet. Un petit peu poulet. Poulet, il est là, il est là-bas. Ben, tant qu'il mélange avec poulet, ça. Ah, ici, il peut goûter quand même. Il peut goûter, là. Hein? Ah, oui. Et il a l'air bon, hein? Ah oui. Et il ne reste pas trop à côté de ça, comme ça va, moi. Le dialogue, il a fait. Il est fatigué, ou un micro. Le dialogue, il fatigue, moi. Aldo, ça va? Super. Aldo, monsieur Aldo Camanon. Oui, mon ami. Bon cariton? Super. C'est bon. Hey, c'est une tradition, vraiment, ça, quand il mange tant comme ça, là. Hein, il boit toujours un petit alcool avec. Un petit mais rhum. Normalement, on boit un petit rhum avec. Ça passe très bien. C'est une tradition, ça. Tradition. Tu as fait comme ça, alors? Toujours fait comme ça, excellent, franchement. C'est bon, alors. Okay. Super. J'avais rien que tant que tu manges. Hein? Alors, bien, là, comment est le temps? Le temps est super. Mais moi, une petite salade, comme on commence. Hein. Ah bon? Rien que ça ne la pointe même, mais elle a été goûtée. Le sauce piment dans le goût, un salade concombre. Mais elle est bon, hein? Là, il faut imaginer nos salades concombres à côté. Là, imagine nos salades concombres. Mais la cuisson, tout de bon? De la cuisson, tout de bon. Alors. Excellent. Le gars, il est bon, il est bon. Là-bas, non. Non, là, tirer pour te parler un peu le riz. Ah, voilà. Donc, il ça sert de la vanne. Après qu'elle réussit la table, il enlève la vanne. Voilà, parce que le riz était trop chaud. Donc, il doit être talaillé un peu. C'est comme ça qu'on a un paquet de monde là. La vanne fait mes yeux, ils donnent là-bas, ils servent à mes yeux. Donc la vanne c'est juste pour les servir oui, qu'on fait un buffet pour pas que la feuille plonge dans la main quoi. Hein? Alors, ben, merci Calix. Bon, merci bien. Ça mange un peu. T'amènes un peu de l'eau pour ça. C'est ça, ouais. Très bon, Jean-Claude. Très bon? Ah, le très bon. L'animal est cool. Jean-Claude Gaillard, alors. Jean-Claude Digan, les bons? Ah, parle pas, il est très bon. Là. La prochaine fois, fais un petit morceau pour nous d'ici. Scaritang. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Là, comme qui dirait que le chien Yabo, il goûte pas les os. Les chiens Yabo, il goûte pas les os. Ça, c'est un dicton, ça, Joseph. Ah, ça, c'est un dicton, mon grand monde longtemps. Ça, du coup, un carré est tellement bon, le chien Yabo, il goûte pas les os. Ah, excellent. D'accord, alors. Ok. Bon, que nous, on a un très bon cuisinier ici. Ouais. Ah, oui, bien. Calix, il va. Ah, il est bon, on a fait. On a fait les bons. Ah, il est bien. Bon. Mais aussi, on a mélangé poule. Il est bon. Il est bon. Ah, très bon. Il est bon, alors. Calix, quel effet il fait quand tout le monde dit comme ça, les bons comme ça là? Hey, ok, grossier un peu. Là, tu dis les bons. Non, non, moi je suis content parce que la cuisine créole, des fois, est difficile de satisfaire la bonne créole là. Hein. Ah. Bonne créole là, est dangereuse. Hein. Ah, ouais, ben, ouais, ouais. Mais moi je suis content quand il dit les bons. Calix, on connaît bien. Pourquoi Vendredi Saint, pas Vendredi Saint, Vendredi Saint, il n'est pas compté comme. Le temps n'est pas compté comme la viande. D'accord. Ben. Les paiements en tant que le vendredi saint, même quand il est en carême. Oui, la réunion. Là, maintenant, en carême, là, ça dit à moi, mon temps. Là, au paiement. Le seul animal qui ne mange pas, c'est le temps. Mais non, mais évidemment. Et là, là, m'a pas envie de plaire, mais je suis mort, pas moi, pas moi, Jean-Claude. Ah, 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 bon, c'est bon. Bah, où t'achètes les vides? Bon, mais ça va mettre un petit peu, parce qu'il fait des trois jours pour bien manger. Pour la prite, il avait carré, tant que pas manger pendant les trois jours. Ça va goûter un petit morceau. T'es bon, t'es bon, t'es excellent. Mais la gâte ça. Et là, vous le mangez tant que vous le mangez un peu le corps. Vous le mangez un morceau tant que t'es bon. Mais s'il avait rien que tant, moi t'es mort, tant. Ah bon, c'est bon, c'est bon.
normal. Mais après, regarde tout ça de mounir assassé à vos autres là. Donc, les affaires, t'es bon même alors. Ah ouais, c'est sûr. C'est bon. Il y a autant les affaires. Les bons alors, top, ok. Top. Les bons. Le cuisinier est bon. Calix, va nous dire au revoir alors. Ben Jean-Claude, bientôt pour un prochain. Les bons alors. Pas de problème, on est toujours content, ni là. Je tiens à remercier justement qui est invité ici. Bien accueilli, bien content. Que nous retrouvons la prochaine fois sur Canal Austral. C'est un peu cité que ça, les vrais mensuels. Cette émission vous a été proposée par Case Créole Construction, les maisons les moins chères à La Réunion.